Tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, immersion à Porouani. Donc, Porouani, on commence du côté du terrain de foot, ici, d'accord. Je vous souhaite une bonne immersion. Soyez prudents sur la route. Bon courage à vous. Allez, on décolle, on est parti tout de suite pour cette immersion à Porouani, une petite ville. Donc ici, on peut avoir la perception du terrain de foot en hauteur. Vous l'avez vu. Est-ce que on a un endroit pour descendre ici ? Une idée. Ah, il faut être cascadeur là. Il faut être cascadeur. Donc on a la perception du terrain de Porouani. Alors on va faire le cascadeur un peu. Voilà. Donc ici le plateau de Porouani. On va visiter en détail les amis, ne vous inquiétez pas. Ceux qui vivent à... Ceux qui vivent ici, vous pouvez voir chez vous. Alors, plateau de Porouani, c'est le même bordel, hein. c'est pas fait. Ça reste quand même correct au niveau des panneaux. Bon, c'est nettement mieux par rapport à ailleurs que j'ai vu. Les panneaux sont un petit peu bousillés de l'autre côté, mais dans le résultat, c'est quand même favorable. Alors ici on a le terrain de foot, le petit parking ici, le terrain de foot de Porouani. Des poubelles à disposition, ce que on n'a pas dans certains villages, des poubelles à disposition à côté du terrain de foot. Ça, très recherché, très recommandé. Voilà, le terrain de foot de Porouani. Moi, je suis jamais venu ici. Hein. C'est la première fois que je viens ici. En même temps, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, voilà, profitez des moments. Allez, on va s'enfoncer dans le village. On est parti pour le village maintenant. Allez, n'hésitez pas à partager les amis. Partagez le live. On va aller au centre-ville. Tranquillement.
c'est vraiment con. Alors, il n'y a pas de frais à pain ici. Alors, on va au centre-ville, les amis. Je vais essayer de passer un petit peu partout. Alors, on a deux zones habitables ici, juste ici. Alors, on va partir à droite. On va partir à droite pour l'instant. Ah, les déchets toujours. Alors, je ne sais pas si c'est une route. On va aller voir ce qu'il y a ici. Des habitations. Ça capte pas bien ici. Alors, on capte pas bien ici. Il y a quelques bidonvilles quand même. Quelques bidonvilles ici. Le dessous, je ne sais pas. Hein. N'hésitez pas à partager, les amis. Alors là, on a été le côté le plus haut, là. On a été un petit peu vers là-bas. On va prendre le bas. On va voir ce qu'il y a vers le bas. Salam alaikum. Ronaldo, Portugal. Aussi, il y a tellement concentré sur son gâteau. Thank you.
ils vivent ici dans ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore ça. Alors ici, on a toute cette eau qui est polluée là. On a la pollution de l'eau. Alors là, ici on a vraiment une pollution qui est avérée. Alors, ici on arrive au niveau des mangroves. Il y a des endroits où il faut vraiment mettre un masque. Oh putain. Les gars, il y a un problème ici. Hein. Il y a un vrai problème là. Oh putain, pour Rouhani. Hey, où est-ce que tu as dit? Ah, où est-ce que tu as dit? Ah. Où est-ce que tu as dit? Alors, je suis curieux quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Alors. Bon. Ça craint chez nous. Il y a des coins. Oh là là. C'est chaud, il y a des coins, c'est chaud. C'est vraiment chaud là. Ah, ici, c'est vraiment chaud. Désolé de vous le montrer, mais. Alors, on va aller vers ce côté d'abord. Alors ici, ce côté-là de Port Rouhani, je pense que c'est très sensible. On a beaucoup de pollution là. On a ça. Ici, les eaux, j'espère que les enfants ne jouent pas avec. Parce qu'il y a des contaminations. Hein. Ça, il faut le savoir. Je ne sais pas ce que ça représente, cette zone, mais
Monsieur le maire, je pense qu'il va falloir que tu envoies des experts environnementaux ici pour pouvoir prendre soin de ce coin-là, parce que c'est les habitants qu'on va contaminer, qu'on va polluer, tout simplement. Porouani, hein, je répète, on est à Porouani, les amis. Je sais, il y a le mot port dedans, mais il ne faut pas en tenir compte. Hein. Alors, c'est un parking ou un garage? Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un parking ou un garage ici. Je ne sais pas du tout. Vraiment pas. Allez, partagez les amis. Je vous demande de partager. Partagez le live. Son en bas, vous contaminez, hein? Maché. Mira. Habi, van? Van? Imagine, van. Van? Ari mwambe mera porwani amba watio ya pasuha mona pareli nbanu mana maji yao hea tu wanu. Donku watu wa shatimbe wanu wangale ata disi yubira wawo. Donku mazamu pare mesaj wawo wa walio wa shporwani. Mwambe mera ashuke wanunu tinuhunu ata havele watu wa shangai hadisi yubira wanube. Wa hadisi wanu maji anu ya kontamine ya hunu. Hayati yozi supasuha utini. Donku haraka tambele watu tongozini jezngali webe. Inti hakini. Inti hakita. Hunu kamwe hunu se tre kritik isi la. Au niveau sante, se tre kritik. Donc, comme on dit, Zokoili, c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, voilà. Alors, on va boire un petit peu d'eau, là. Alhamdoulilah. Alors, là, je passe à la partie la plus bas. La partie la plus basse de la route. Voilà. Porouani. Ceux qui sont de Porouani, dédicace. Putain, mais il y a trop de voitures ici. Hein. Il y a un mécanicien ici. Le mécanicien, il est là. Alors ici
on en connaît. Alors, les mécaniciens du coin, ils laissent les véhicules n'importe comment. Ça prend de la place n'importe comment. Je vois qu'il y a... Il y a des fruits par terre. Ça, ça a été mangé. Maracuja. Il y en a en haut. Ouais, il n'y en a pas. Alhamdoulilah. Alors, Porohani, les amis, Porohani, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on a ici, là? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va être curieux pour aller voir. Ici. Qu'est-ce qu'il y a ici là? C'est la plage peut-être, je sais pas. Atelier, il y a un atelier de menuiserie ici, là. D'accord. Alors, après c'est des champs. On a des champs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est une route qui va là-bas. Et là, on a des petits déchets ici. Toujours, hein, ça change pas. Hein. Les déchets, ça change pas. Ça prend tellement place. Allez, je vous embarque là où il faut pas, hein, pour Rouhani. Je vous embarque là où il faut pas. On va voir ce qu'il y a ici. J'espère qu'on a du réseau. Donc on vient sur le côté opposé des mangroves, je ne vais pas dire la plage parce que c'est que des mangroves. Alors ça a été nettoyé il y a longtemps, vous voyez, ça fait longtemps que ça n'a pas été pris. Hein. Alors Porohani, ça a été déjà frappé par la pluie, vous voyez, il y a la terre qui est un petit peu collée. Hein. Donc ça fait un moment que c'est là. Jusqu'à ce que l'eau vienne chercher. Je vais faire un petit zoom hein, pour que les gens y voient, hein, que je dis pas de bêtises. Vous voyez, ça a été frappé un petit peu par la terre. C'est-à-dire, ça veut dire que ça fait un petit moment que c'est là. Ça a été nettoyé. Ça attend d'être ramassé. Mais bon, c'est pas fait. C'est pas fait.
Alors ici on a une petite plage, on fait un zoom, mais c'est pas une plage, hein. C'est plutôt les mangroves ici. Hein. Donc voilà, on va continuer. L'essentiel que j'ai pu voir, ce sont les déchets. Ah, très important à souligner. Hein. Quand on regroupe des déchets, il faut les ramasser après. Hein. Faut pas les laisser 2 mois, 3 mois comme ça sans que ça soit ramassé. Donc ici c'était le coin que j'étais venu voir tout à l'heure. Il y avait plein de mouches là. Donc c'est l'arrière, donc j'ai fait un petit peu le tour, côté mangrove, d'accord, ça donne ça côté mangrove, vous voyez, voilà, allez on va s'enfoncer dans le village les amis, vous êtes avec moi, allez partagez, on s'enfonce dans le centre-ville maintenant, on va bien remonter, on va aller dans le centre-ville. Alors, il n'y a qu'une personne à Mayotte qui fait ça, hein. Ce que je fais là. Donc, vous n'allez pas en trouver beaucoup de personnes qui font les immersions ici. Les immersions, c'est avec moi, c'est sur la page. Ceux à qui ça intéresse, il y a des choses intéressantes à voir. Oui, je vais aller au centre-ville, vous inquiétez pas les amis. Ici. Je vais prendre la lumière quand même. C'est vrai quoi. Alors. Ok, on va passer par ici. Il y a une belle rivière ici. Il y a une très belle rivière ici, les amis. Mais les déchets en font partie. Hein. Les déchets en font partie. Les carcasses de voitures aussi. Comme partout ailleurs. C'est toujours le... La hantise, hein, c'est la hantise hein, de toute façon. Hein. Ok, là il y a la mosquée là-bas. Vous voyez à quel niveau on est. Et donc on va
rester vers le bas toujours. Ça va, quoi. C'est un chemin sans issue. Hein. Le reste, c'est... Ah, ici, c'est... Kapsenzervi. Je pensais qu'il y avait un chemin, mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Porwani, les amis, Porwani vers le côté, vers le bas de Porwani. Calme-toi. Les poubelles. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il nettoie depuis longtemps? Est-ce que ce qui est en dessous, ça a été ramassé? Je ne sais pas. Je vous laisse en juger, les amis. L'état de ce petit village. On a l'impression qu'il n'y a pas d'agent ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'agent ici, en fait. Qui nettoie, qui coupe les herbes, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, en fait. Mais je vous laisse en juger de vous-même. Je vous laisse en juger de vous-même. Les images en témoignent. Je n'ai même pas besoin de parler, hein. Ah. Les agents postaux ici, ils ont des quads carrément. La classe, hein. La classe à Dallas. Vous allez voir. Le quad de la mairie. Ils ont quand même un quad hein, pour distribuer. Le quad de la poste plutôt. Tu sais, j'ai vu mettre un courrier. Je sais pas si c'est le quad de la poste ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Alors, déchets. Parlons de déchets, parlons de déchets. Alors, depuis combien de temps que c'est là? Je ne sais pas. Seuls les habitants, ils peuvent en témoigner. Combien de temps c'est là? C'est pas encore ramassé. Tout ça. C'est ça, en fait, qui est dommage ici, là, en fait. Il y a une mosquée ici. Une petite mosquée. Enfin, il n'y a pas de petite mosquée. Grande mosquée. Parce que c'est la maison de Dieu. Donc, on doit toujours donner sa grandeur. Les gens qui ne sont pas polis sur le live, voilà, c'est tant pis pour eux. Hein. Donc, moi, je montre la vérité, la réalité. Hein. Je montre que la réalité ici. Donc, celui ou celle à qui ça ne plaît pas, ça sera toujours pareil. Hein. Ça sera toujours pareil.
Les images en parlent d'elles-mêmes. Hein. Les images en parlent d'elles-mêmes. Moi, je relaye les difficultés. Ça, c'est les difficultés, ce qui doit évoluer, parce qu'il y a des choses. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, ceux qui restent pas polis sur la page, je bloque, hein, je bannis. Hein. Je rappelle ici, d'accord. Après les lives, je fais un tri. Je regarde les gens qui parlent mal. Je les bannis de la page. Donc, sachez une chose, il faut savoir cela. Qu'une fois que je vais me rendre compte que certaines personnes ne sont pas polies, je bannis. Alors, c'est pas énormément grand hein, pour Rouhani, en fait. C'est pas énormément grand. Là, je passe uniquement sur le côté bas. On va passer sur le côté haut. Pour un petit peu ce petit virage. Alors ici, les gens, ils font leurs besoins partout. Pas possible ça. Il y a des toilettes quand même. Ou à la plage plutôt, mais ils font leurs besoins dans les abords des habitations. Pas cool ça. Alors ceux qui sont de Port-Rouhani, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous avez les images réelles. Là. Ici on a quoi? On a une plage là. Je sais pas ce qu'on a ici, c'est une plage. Wow. Une plage là. Ça fait déjà un mois qu'il nous reste. Salam. Naksan rege frigozo be uketi ba. Est-ce que tu chino la moi pas bensan rege frigozo? S'il te plaît. Alors donc les amis, ici les habitants de Port-Rouhani viennent jeter les frigos ici. D'accord? Au lieu de les exposer là-bas pour que la mairie puisse les récupérer, ils viennent jeter gentiment ici. Donc ça c'est pas à faire. Donc c'est pas à faire. En fait c'est le coin élevage ici. C'est le coin élevage, il y a la plage là-bas. Alors la plage on va pas trop avoir l'opportunité, on ira après. Hein. Donc bon. Allez, continue. On y a au frigo, on rose là, on joue là, je suis là.
Quelle tristesse, quelle tristesse. Franchement, les gens, ils ne respectent rien. Ni la nature, rien. Mais rien du tout, hein. Rien du tout. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. On a des beaux villages. Il faut en prendre soin. Mais beaucoup d'autres s'en foutent complètement, hein. Alors, on est arrivé ici. Pour Rouhani, ce côté-là. Vous voyez là où on est, là où on vient de sortir. Donc ici on va aller appréhender le haut, d'accord, la partie plus haute vers la montagne. Donc pour ce faire, je vais passer ici. Passer ici. Là on est presque à proximité, je vais même pas dire à proximité, l'entrée de Port Rouhani côté Combani, venant de Combani ici. On va prendre ces quelques déchets qui sont ici, la petite rivière. Derrière la rivière, qui peut se passer. Alors ici, c'est pas idéal pour positionner les poubelles ici. C'est pas très l'idéal là. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas trop l'idéal ici. Mais bon, les déchets sont là. Hein. Elle peut être récupérée. Et d'autres, elles passent au-dessus. Elles vont directement à la rivière qui est là et ça part vers la mer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas l'idéal ici, parce que les gens ils savent pas jeter, ils jettent n'importe comment et du coup les déchets ils vont les récupérer à la plage. Salam alaikum. C'est les mafouboun. Ah ah, non. Ça se filme. Des okoun. Ah, se filme les lagos. Na malavu, naz kapoka, naz. Parce que j'étais vu. Zos nyomironi. Ah ah. Tu n'as pas zekia. Ça peut savoir la gonne. Enfin, on va trouver vite. Alhamdulillah. Alors, on a une petite rivière ici. Comment accéder au plus haut? Alors, il y a une route qui mène là-bas. Salam alaikum. Alors, il y a une route qui monte vers les habitations en haut. Mais on va rester quand même ici. Là-bas, c'est une propriété. Je pense qu'il n'y a pas d'accès pour y. Il n'y a pas d'accès pour y aller à l'autre côté. Donc le côté que je cherche, c'est l'autre côté. Donc je vais peut-être accéder par le haut. On va refaire demi-tour. On va accéder par le haut. Alors ici on a un eau de pluie qui est. Qui peut être pure, peut-être, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en haut, qui utilisent. Mais. Et la qualité est un petit peu claire. Mais bon, il faut se méfier quand même. Vous voyez qu'on a beaucoup de ressources ici qui coulent à Mayotte. Et puis,
on s'amuse à nous dire qu'il n'y a pas d'eau, on coupe l'eau. Il n'y a plutôt peut-être pas de machine pour traiter l'eau. Il n'y a pas assez de machines à grande capacité pour traiter l'eau, plutôt oui. Mais les ressources sont bien à Mayotte. Hein. Il y a beaucoup de cascades et autres. Assalamu alaikum pour ceux qui arrivent sur le live. Bienvenue à vous. Ah, il y a ma fénessie ici. Mais c'est pas encore bon là. Ah, c'est pas encore le temps. Faut attendre fin juin, juillet ou fin juin plutôt, ça va commencer à mûrir. Même mi-juin, on peut commencer déjà à manger ma fénessie. On commence déjà à en manger, mais en petite quantité, il n'y a pas beaucoup. Mais alors, est-ce que c'est un chemin ou une propriété? C'est peut-être une propriété, donc on va chercher un autre chemin. Ah, voilà. Porwani en 3D, les amis. Porwani en 3D. N'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à partager le live sur les groupes, sur vos profils. S'il vous plaît, pour beaucoup de force, beaucoup d'encouragement. Car on continuera les autres immersions. Mzoisia. Là, normalement, j'allais à Chirangui, mais c'est un petit peu plus loin. Et ça sera un petit peu grand aussi. Un tout petit peu grand, donc j'ai préféré m'immerger ici. Ici qui monte. Alors, on a une route là. Ceux qui sont de Porwani, je pense qu'il y a des abonnés qui sont nés ici, qui habitent ici. Sans aucun doute. C'est moi quoi. Cause. Alors,
Vous allez voir ici quelques images un petit peu piquantes. Elles vont vous piquer les yeux. Voilà, première preuve. Voilà, ici on ne sait pas ce que c'est. Une zone de décharge ou c'est quoi. Petit bidonville là-bas. La petite voiture pour la décoration. Bien, super. Ça peut être un petit beau parking ça. Alors ici on a quoi? Eh, on dit aujourd'hui, il y a un virage à ten. Ah, on y va de l'aujourd'hui. Jour. Maintenant, cabou. Ah, oh. Ah, cabou. Où là, on va aujourd'hui? Hein? Ah, oh. Il y a pas de chemin là-bas. On va couper par ici là. Ça c'est juste pour les habitations. Pour aller, il n'y a pas de chemin là-bas. C'est juste pour montrer le creux. Ça, c'est les chemins pour accéder aux habitations. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas d'accès. En tout cas, il y a besoin de nettoyage. Hein. Il y a besoin de nettoyage. Vraiment. Il faut que les agents ici travaillent correctement là. Parce que c'est dégueulasse. Ah, ils doivent bosser, je ne sais pas ce qui se passe. Salam alaikum tout le monde, salam alaikum ceux qui arrivent sur le live, Poro Annie. Salam alaikum. Alhamdulillah. Alors ici il y a beaucoup d'épaves à Mayotte. À Mayotte, il faut savoir que il y a beaucoup d'épaves au niveau des voitures. On a déjà une île qui est très serrée au niveau des routes. Et on a des épaves comme celui-ci qui chevauchent sur la route. Donc vous voyez la difficulté qu'il y a ici. C'est pour ça que je dis que toutes les épaves qui sont comme ça, là, qu'elles soient ramassées et envoyées à la casse par la mairie qui finance ce genre d'opération. Parce que là, c'est impossible. Si un camion qui veut passer ici, ça va être juste. Ça va être juste vraiment pour un camion. Ça prend de la place pour rien du tout. Donc il faut le savoir. Voilà, place de parking prise pour rien. Camion foutu. Et oui, c'est ça.
Alors ici, petite zone de décharge, hein. Puisque les poubelles sont pas accessibles, il y en a une en bas, il y en a une là, je sais pas ce type de poubelle là. C'est devenu une petite zone de décharge. Mais elles sont où les poubelles en fait? Elles sont là, à côté du voisinage. Donc là, c'est la partie haute de Porouani. Là, il y a les habitations jusqu'en haut. On va aller voir. Donc, les habitations se sont propagées vraiment dans les hauteurs. Il y a quelques bidonvilles aussi. Il y a quelques maisons bidonvilles quand même. Alors c'est immense, hein. C'est petit mais immense. Le ramassage. Ici, quelques écoles. Alors ici, c'est que des habitations. Là, c'est un chemin qui mène vers une habitation.
enfin une route plutôt. Alors ça c'est quoi ici? Ça c'est pareil, c'est un chemin qui mène vers l'habitation. Alors, on va voir, soyons curieux. C'est les habitations. Alors c'est sans issue, je pense. On va aller voir. Hein. On va aller voir. Je pense que c'est sans issue. Si, il y a quelques issues quand même. Quelques issues. Oh, elle a failli m'arroser. Il m'a rosé de l'eau. Ça va quoi? Alors ici, les déchets. Ah, on a un bel. Ouh. On a un bel à regarder. Bel bananier ici. Alors. La zone de décharge sauvage, ici. Donc voilà, c'est ça ce que les Maorais aiment. Ils aiment baigner n'importe où, décharger n'importe où les déchets. Donc les endroits propices, comme celle-ci. Un terrain de jeu pour jeter les déchets. Voilà. Quelqu'un qui se baigne là. Alors ici, vous allez constater, hein, il y a une forte fréquence de jets de déchets. Alors c'est des endroits qui ne sont pas adaptés. Normalement, il faut sanctionner ces genres de choses. Mais on va jamais trouver le coupable, hein, c'est sûr. Et à côté, est-ce qu'on va trouver une rivière? On a une rivière là. Voilà. Ça coule de l'eau de source. Ça va,
Je suis pas à pied depuis Mtsambo. L'immersion sur Petite Terre, ça c'est fait. Il faut taper sur la page Petite Terre. La toile. Je suis déjà passé à la toile. Comme on dit. Mais la toile, je suis passé déjà. Alors, on a une petite route. Ici, on a des résidences. Vous voyez, des résidences. On va faire le tour. Je sais pas. Ici, beaucoup de Alors, ici il n'y a pas de réseau. Alors c'est que des résidences ici. Les locations c'est ici. Les résidents aussi. Il y a beaucoup de locations. Les lotissements. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de réseau, ça ne capte pas bien. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de réseau, mais vous inquiétez pas. Quelques secondes, justement. Alors ici, on a les lotissements. Par là, on va parler haute. Alors ici c'est des lotissements, vous voyez. Cette partie aussi des lotissements. Location, lotissement. De rien les amis, ceux qui sont de loin, de près, ce direct est pour vous. N'hésitez pas à partager sur votre profil. Les lotissements,
Alors ça fait longtemps que j'avais pas vu. Mrabam TV. Bio, 100% bio. C'est cool ça. C'est cool de voir ça de nos jours là. Ça fait plaisir. Alors ici, comme vous avez remarqué, tout le long, d'accord, là, normalement ça doit être taillé, je ne sais pas si ça appartient à qui, la gueule des poubelles qui date, voilà, il faut des poubelles à grande capacité ici parce que c'est des résidences, d'accord, je pense que il faut des poubelles à grande capacité. Alors on va passer ici. Toujours des lotissements, lotissements, lotissements. Alors, qu'est-ce que tu es en train de bouffer là-dedans, toi? D'accord. Une mosquée ici. Alors ici, si on descend, on va rejoindre la route principale. Donc je vais faire marche arrière. Ah, si tu veux bien. Je sais pas si tu veux faire, hein. Il n'y a que des montées ici, c'est pas possible. Ici, on doit avoir une belle vue. Ah, voilà la vue de Porohani. À chaque village, il y a toujours une vue. Alors ici, je vais vous donner une 360 de la ville de Porohani. Donc 360, c'est ceci.
Port-Rouani, les amis. C'est du boulot, hein. C'est vraiment du boulot. Pour capturer tout ça. Allez, je vous ai fait profiter d'un bon moment de vue. On s'approche de la fin du live. On a fait presque le tour de Port-Rouani. N'hésitez pas à partager, les amis. N'hésitez pas à partager. Pour plus de soutien. Il y aura d'autres villes aussi. Vous inquiétez pas, les villages où je ne suis pas passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis curieux d'aller voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est quoi ça? C'est quoi ici? C'est des bidonvilles. Donc, c'est des habitations, je ne veux pas y aller. Y aller, c'est bidonville là. Quand il n'y a pas un chemin adapté, il faut pas y aller sur les bidonvilles. C'est bon, c'est voilà. Juste le fait de montrer qu'il y a des bidonvilles. C'est assez suffisant. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi j'aime bien me faufiler sur les petits chemins. Un petit banga ici en tôle. Il y a des habitations ici ou pas. Un petit bungalow là. D'accord. On sort ici. Alors, petit banga bidonville ici en haut. Vous voyez déjà.
Et voilà, on sort ici. Et voilà, on ressort par là. On sort par ici, les amis. Donc, vous venez de découvrir Port Roani en 3D, les amis. Port Roani en 3D. On va faire cette petite portion-là parce que j'ai pas fait ici. Ici, juste quelques maisons là. Alors c'est avec grand plaisir, les amis, que je partage avec vous cette immersion. Et j'espère que vous aussi, tout le monde a partagé. Car il est important pour le soutien aussi. Il est important de partager s'il vous plaît, ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, les amis, c'est ici que s'achève notre live immersion. Merci à vous d'avoir participé sur ce live, d'avoir vu le positif et le négatif ici à Port Roani. Je vous en remercie énormément et je partagerai avec vous pour les prochaines mois à venir d'autres villages, des immersions dans d'autres villages. Soyez toujours présentes et présents. Je rappelle, ce soir on a un coaching live. J'essaye de rentrer. Pas mal de rendez-vous ce soir. Donc je fais le mieux, le nécessaire. Je suis un petit peu fatigué, mais je serai là. D'accord, les amis? Je vous souhaite une très bonne soirée à vous, une très bonne après-midi. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, Inch'Allah.